Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser des churros. On aura besoin de 125 ml d'eau, 25 g de sucre, 20 g de beurre, 125 g de farine, un œuf, un sachet de sucre vanillé et d'une pincée de sel. Dans une casserole, je vais inverser l'eau, le sucre, le sel, le sucre vanillé et le morceau de beurre. Je mets sur le feu et je porte à ébullition. Hors du feu, je vais inverser la farine d'un seul coup et je remue pour obtenir une pâte. Une fois fait, je remets sur le feu pendant 2 minutes pour sécher la pâte. Je mets la pâte dans le batteur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire manuellement avec une marise. Je laisse tourner 2 minutes pour la refroidir. Et je viens rajouter l'œuf. Je laisse tourner jusqu'à ce qu'il soit bien intégré à la pâte. Si la pâte est trop épaisse, vous pouvez rajouter un œuf supplémentaire. La pâte est prête, je la mets dans une poche avec une douille cannelée et je la laisse reposer 5 minutes au frigo. Dans une friteuse à 150 degrés ou dans une casserole avec de l'huile, je viens pocher ma pâte. À vous de choisir la forme et la taille de vos churros. Quand ils sont colorés d'un côté, je les retourne. Quand ils sont cuits, je les retire et je les pose sur du papier absorbant. On saupoudre de sucre en poudre et c'est prêt. Il ne reste plus qu'à déguster. La prochaine recette sera des churros au curry et au fromage pour l'apéritif. À très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci et à bientôt.